Salut les filles, aujourd'hui je suis ici pour vous faire ce maquillage que je me suis inspirée de Nicki Minaj. C'est une chanteuse, je vais vous montrer la photo sur laquelle je me suis inspirée, c'est celle-ci. On voit qu'il y a du bleu et du marron. Alors, j'ai déjà mis un peu de scotch ici. Avec un pinceau plat, je vais commencer par appliquer du bleu. J'ai employé ma palette Coastal Scents de 80 couleurs, les couleurs mates. Alors, j'ai commencé par appliquer ce bleu mat clair sur ma paupière mobile. Où je tire un peu ici. Je prends un bleu qui est un peu plus foncé, celui-ci. Également de couleur mat. Je vais appliquer un fixateur de fard à paupières de Make Up For Ever. Et je prends un bleu de ma palette Essence, celui-là. Et je viens mettre sur ce bleu ici. Avec ce pinceau, je prends le clair qui est ici et je viens appliquer un peu partout ici. Voilà. Avec ce pinceau ici, je vais prendre un marron très clair qui est ici, celui-là. Et je mets ici au coin externe de l'œil. Et je balaye jusqu'à l'intérieur de l'œil. Une deuxième couleur de marron, c'est celui-là, un petit peu plus foncé, que je viens appliquer au coin externe de l'œil. Un marron plus foncé, je vais prendre celui-là au coin de la palette. C'est juste pour vous donner une idée de couleur en fait, que j'applique ici au coin externe de l'œil également. J'enlève l'adhésif transparent et je mets un petit peu à l'extérieur. Voilà, juste pour démarquer un peu la ligne. Maintenant, je vais prendre un crayon noir et je vais prendre ma pupille et je mets que le côté extérieur de l'œil, soit paupière mobile et le ras des cils inférieurs. Avec un stylo pour faire le trait du eyeliner, je vais prendre où j'ai mis justement la ligne noire, c'est où j'ai mis
la fille adhésive transparente. Voilà, j'ai posé mes faux cils. Et puis ici, au coin interne de l'œil, j'ai remarqué qu'elle avait mis des glitters argentés. J'ai pris celui-ci de Essence et je viens appliquer ici. Je finis avec le mascara. Je mets sur les faux cils également. Sur ses lèvres, j'ai remarqué qu'elle avait un contour un peu plus foncé, alors j'ai mis un crayon gris. Gris métallisé. Et le rouge à lèvres, un rose, très rose. Un blush, elle avait quelque chose dans les oranges, alors j'ai pris celui-ci orange de chez Essence que je viens mettre sur les deux joues. Et voilà les filles. Le look d'aujourd'hui inspiré de chez Nicki Minaj. Vous entendez sa musique. Alors voilà. J'espère que vous avez aimé. Un gros bisou à toutes et puis à la prochaine vidéo. Bye bye.